Eurovision 2023, épuisée émotionnellement, Lazara annule concert en marge de la compétition. C'est la douche froide pour Lazara. La représentante de la France à l'Eurovision 2023 a annulé au dernier moment ses concerts prévus à Amsterdam puis à Londres en raison d'un problème personnel. Annoncé 20 minutes, ce dimanche 16 avril. Lazara joue dans la cour des grands. Révélée en 2021 avec son titre « Tu t'en iras ». La jeune femme qui a reçu le prix de la révélation francophone à l'occasion de la cérémonie des Energy Music Awards en 2021 va représenter la France le 13 mai prochain, lors du grand concours de l'Eurovision, qui se tiendra à Liverpool au Royaume-Uni. La chanteuse qui vient tout droit du Canada interprétera son titre évidemment face à 36 autres compétiteurs. Et avant le jour J, la chanteuse s'entraîne en donnant une série de concerts dans plusieurs capitales d'Europe. Nos confrères de 20 minutes ont eu la chance de suivre la chanteuse à la voix suave et peu singulière dans son marathon des Zéniths. Et entre deux répétitions, la grande amie de Slimane a confié qu'elle préparait un show unique pour le 13 mai prochain. La chanteuse est catégorique, sa prestation sera dangereuse. On va prendre des assurances, rire. A-t-elle ajouté, avant d'exprimer ses doutes et ses peurs. On va faire quelque chose dont j'ai très très peur. Je ferai ça pour la France, rire, je dépasserai mes limites, a-t-elle ajouté. Malheureusement, ce dimanche 16 avril, la délégation française de l'Eurovision s'est fendue d'un tweet pour apprendre que suite à un problème personnel survenu ce samedi soir, Lazara n'était pas en mesure d'assurer le show à la Valhalla d'Amsterdam. Elle est épuisée émotionnellement. Elle va se reposer pour être prête le jour J, ont fait savoir ses proches auprès de 20 minutes. Un revirement de situation étonnant, puisque, quelques heures avant l'annulation de ses concerts, la chanteuse canadienne disait avoir hâte de rencontrer le public néerlandais. De son côté, le secrétaire d'OGAE France, l'association des fans tricolores de l'Eurovision, a indiqué que Lazara avait sûrement de bonnes raisons d'annuler ses prestations. « Nous espérons qu'il n'y a rien de grave », a-t-il confié à 20 minutes. Attendu ce dimanche soir au concert pré-Eurovision de Londres. La chanteuse brillera, une fois encore par son absence. Nous lui souhaitons le meilleur. On conclut les organisateurs sur le compte Twitter de l'événement.